Salut à tous! Attends-moi! Une nouvelle grotte à visiter, je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans parce que là j'en ai aucun souvenir. Oula! Ils ont l'air assez puissants ceux-là quand même. Si on réessaye notre chaîne de flammes. Ah, là ça marche cette fois. Encore beaucoup d'étages comme ça? Peut-être que c'est pas le moment de venir ici, que c'est un peu tôt, que je suis pas assez fort. Ça a l'air assez dur de les tuer quand même. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Ah! Ah ouais, un boss. Oula! Oui, pas beau! Oula! Attendez, il m'a presque tué en un coup, là. Ça va pas du tout. Bleh. Ah d'accord, en plus il sort du haut de l'écran et il arrive en bas. Ah, la chaîne de flammes, ça marche. Je suis pas du tout assez bien armé pour le... pour l'affronter, mais bon, maintenant que je suis là, on va quand même essayer. Comme j'ai plein d'XCTR, ça va être l'occasion. Hop! Ah non, j'ai pas eu le temps. Zut! Salut! Ah, l'étoile ça marche aussi. Merde, je voulais essayer avec la flamme. Il est trop méchant quand même. Ah. Déjà? Il me fait perdre à peu près 80 points à chaque fois qu'il me touche. J'ai aucun souvenir de ce boss-là et de cette partie du jeu en général. Purée, c'est trop dur. Aïe. Ah, j'ai plus assez de magie. Attendez, oula. Laisse-moi au moins le temps de reprendre la magie de la vie. Yes! J'ai battu Leech. Drôle de nom. Tu as la magie de la bombe, tu peux l'utiliser. Ah bah oui, bah j'espère. Et à quoi ça sert? Donc en fait, là, j'ai toutes les magies. Et la magie de la bombe... Attendez, on va faire un petit essai. D'accord. Il vaut mieux l'essayer sur des ennemis, je pense. Ok. Bon. Je suis pas sûr que ce soit le truc méga indispensable. Hein. Alors, eux, j'avais pas essayé de les tuer tout à l'heure.
Ah, ça fait plaisir. Si on prenait un peu de sagesse, ouais. Parce que la sagesse, c'est ce qui détermine l'efficacité des magies, je crois. Et donc, par exemple, là, comme j'en ai pas beaucoup, la magie de la vie, elle est pas très très puissante. J'ai vachement fort, mais mes magies sont pas très fortes. Ah, j'ai oublié mon chocobo. Je l'ai oublié près de la caverne. Ah, désolé, je t'ai oublié. Je suis affreusement désolé. Tiens, d'ailleurs, hop. On va visiter un petit peu la mer. Parce que c'était ça le but au départ. Je suis tombé ici un peu par hasard. Ah, voilà. On peut même aller dans les petites rivières là. Alors je sais qu'il faut que j'aille à Wendell revoir Siba. En même temps, il y a plein d'endroits que je peux visiter, hein. Plein de nouveaux endroits. Par exemple, ça, je connais pas du tout. Hey, il y a de la neige! Ah, hein, donc là, je peux aller voir là. Et si je continue par ici? Ah, j'arrive là au début du jeu. Ça, c'est rigolo quand même. On peut revenir visiter les écrans du début du jeu. Alors là, je peux pas passer. C'est bizarre parce que sur celui-là, je peux. J'ai envie d'aller voir là. Que l'étoile ça marchait bien pour eux, non? Sac de rubis. J'ai déjà trop d'objets. Les machins de Vulcain là, hop. X-Vie, cool. Je pense que maintenant je dois avoir accès à quasiment toute la carte du monde. Et là, oups, et là je suis dans un écran que vous connaissez déjà. Plan. Ouais. Au tout début du jeu, j'étais passé à gauche de l'écran là. D'objets. On va utiliser le deuxième Vulcain qui sert à rien. Hop. Oula. Bah ouais, mais tu peux pas entrer dans les maisons ou les villes. Gelé, d'accord. Ils sont tous gelés, les gens, c'est ça? J'ai vraiment pas le souvenir de tous ces trucs, alors c'est cool. Fermé. D'accord, bah je dépense une clé juste pour découvrir ça. Si c'est comme ça, je casse les vases et puis c'est tout. Est-ce que je peux les dégeler avec la magie de la bombe? Oups. Non, c'est pas ça. Avec la magie du feu. Ça aurait été étonnant. Clair. Et le choc. La fameuse magie du choc. Non, il faut faire quelque chose dans le scénario.
qui c'est celui-là. Roi Julius a appelé les monstres dans ce monde. L'un d'eux, nommé Kari, nous a gelés à Pôle Neige. Siba vint aider, mais il est captif dans l'autre pièce. Ah bon? C'est dangereux de les laisser jouer trop longtemps. Bah oui. Donc le Siba, je devais aller le voir à Wendell, et finalement, il est captif juste ici. C'est gelé. Ah! Est-ce que... Alors ce coup-ci, sans rigoler, est-ce qu'il faudrait pas utiliser la bombe? On fait alors. Ou alors est-ce qu'il y aurait un mur fissuré? C'est pas si simple. Donc en fait il faut aller à Pôle Neige, voir ce qui s'est passé et trouver un moyen. Allez, c'est parti. Donc si ça se trouve, c'est pas forcément très utile d'aller à Wendell. Ça fait du bien de revoir les ennemis du début du jeu. Ah! Ah, je suis beau comme ça. Voilà. Alors, un petit coup de hache. On va faire le bûcheron là. Le monde est quand même gigantesque dans ce jeu, je trouve. Ah, donc c'est ça, Pôle Neige. Ah, il fait trop froid pour la... il fait trop froid pour toi, là-bas. Attends-moi ici. Donc, en fait, lui, il a trop froid, mais moi, je peux y aller quand même. Alors, est-ce que cette fois-ci, mais un truc de flamme pourrait pas être vachement utile? Vu que les ennemis enneigés doivent pas aimer beaucoup le feu. C'est quoi ça? C'est des espèces de loups? Alors, objet. X vie. Blizzard. Ah bah oui, forcément. Et là, on avait la maison qu'on voyait tout à l'heure. Bon, bah ok, c'est juste un magasin sans aucun intérêt particulier. Des clés, j'en ai encore plein. Ah bah, je peux lui vendre les rubis. Ça fait longtemps que j'ai ces rubis-là et que j'ai oublié de les vendre. Hop. C'est tout? Ouais. Mince. Allez. Bizarre encore. Ils sont rigolos, les petits bonhommes de neige, là. Alors... J'aime bien visiter ces montagnes enneigées. Ah.
Allez, soyons sages un petit peu. J'aime bien cette nouvelle chaîne finalement. Allez, allez, allez. Une caverne. Du blizzard, encore du blizzard. Je crois que ça va être le moment de explorer cette nouvelle caverne. Oulala, c'est quoi cette musique? Ouh, ils sont pas gentils ceux-là. Alors attendez, comment je fais après? Ah oui. Là et avoir trouvé un moyen de tuer ces espèces d'yeux. Ok. Ouh là là. Ah, c'est rigolo. Aurais-je fait une bêtise? Ah non, c'est bon. Deux secondes, je vais déjà tuer l'œil avec l'étoile. Voilà. Ensuite, je m'occupe de toi. Voilà. Tac. Hey, tu vas pas m'échapper comme ça. Toi. Tiens. Tiens, tiens. Il y a moyen de faire des bons labyrinthes avec ces dalles qui nous transportent. Ah, je reviens là. Fermé. Bon, alors, avant de dépenser des clés, on va aller voir ce qu'il y a par là. Oula, je vais tomber. Non. Noir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette salle? J'ai pas le temps de tuer les monstres. Hein. Bon, allez, on va voir là. Alors. Une clé. On va prendre, dépenser celles qui ont le plus petit chiffre en priorité. Les bonhommes de neige, ils sont sympas, je trouve. Ils sont pas méchants, ils sont faciles à tuer. Allez, je reprends la chaîne. Songe. Donc là où il y a un mur fissuré, bien sûr. Oups. Allez, on ira voir ça plus tard. Je suis déjà venu là. Donc j'ai fait tout le tour. Ok. Ça doit vouloir dire que là je peux pas passer. Il faut que je refasse le tour.
Vous êtes vraiment pas beau. Hop. Allez, viens, saute plus vite. Eh, j'ai raté mon coup. Je pensais que j'étais à fond. Hop. Eux, ils me rappellent des souvenirs, hein. Des souvenirs pas trop vieux, d'ailleurs. Hop, un petit coup de soin et tout va bien. Ah, laisse-moi t'approcher. Voilà. Ah bah ça y est, noir plus pétrifié. Ça se cumule. Ouh là là, ça promet. Bon, je vais pas avoir le temps de finir cette caverne tout de suite. Donc on continuera dans l'épisode suivant. Salut !